J-3 avant l'élection du futur président de la FEGAFOOT qui se tiendra à Lambaréné dans le Moyen-Ogoué. Bosco Alabafal poursuit sa tournée, cette fois-ci dans l'Ogoué maritime où le candidat a rencontré les responsables de la Ligue, avec qui il s'est entretenu pendant près d'une heure et demie. Les questions portaient essentiellement sur la restructuration du football qui passe nécessairement par la formation. Nous comptons faire pour les ligues de football professionnel. Étant entendu, le premier objectif d'abord de la Fédération d'Ogoué de football, c'est une instance suprême de notre football. Nous pensons comme objectif pour la Fédération, nous ne pouvons pas parler de la restructuration, la formation et l'application de l'Ogoué sans vous donner les objectifs de la Fédération d'Ogoué de football. Nous souhaiterons améliorer le fonctionnement de l'institution afin de la rendre plus performante, professionnelle et moraliser l'environnement sportif. Le premier malaise pour nous, depuis d'abord, une fois à la tête de la fédération, le premier malaise, c'est celui que vous connaissez, la violation manifestée des dispositions, certaines dispositions statutaires et réglementaires. Donc pour nous, c'est un impératif. Avant de venir mettre de l'ordre, on commence par les priorités. Les priorités pour nos juristes, et pour tout le monde, pour les personnes responsables et sérieuses, se voir au niveau donc de nos tests. Effectivement, au niveau de nos statuts, il y a des aberrations. Et c'est une honte, je dis, et j'insiste. Et si quelqu'un prend ce statut et il fait une lecture minutieuse, très avisée, on va se moquer de nous. Liliane Robaki, présidente de la Ligue de football de l'Ogoué maritime, a quant à elle souhaité plein succès aux candidats. Merci pour toutes ces préoccupations. Moi, je vous dis bon vent. Allez jusqu'au bout. Je vous dis encore bon vent. Et que ce que Dieu a décidé, la visite s'est aussi poursuivie du côté du stade Mandji. Le président de cette institution a profité de l'occasion pour présenter son bureau directeur et par la suite recommander aux candidats de rester confiants pour la suite. Nous vous souhaitons la bienvenue au siège du stade Mandji, notre modeste siège. Et nous avons écouté également votre intervention, monsieur le candidat. Le stade Mandji sera présent samedi lors du congrès ordinaire pour le vote du président de la Fédération gabonaise de football. Nous n'allons pas aujourd'hui nous prêter un exercice d'analyser la situation sportive actuelle. Ce n'est peut-être pas de notre devoir ici, en tant que président de club. Mais je voudrais tout simplement dire que, comme j'ai dit à la presse lors d'une interview de trois questions, dire que le stade de sport se porte mal. Et en principe, si le sport se porte mal, il faut prendre le mal par la racine pour pouvoir l'extirper. Donc je crois que l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de football devrait sauver le sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent au candidat Bosco Alabafal, qui compte apporter un souffle nouveau au football national, au grand bonheur des acteurs de cette discipline.